Anna, mon belle grimelle, grand trotteur qui sortit baradeur. Son maman qui le vend graine chauvi, garçon sans papa. Son femme qui gagne femme dans femme. Parce qu'une femme qui le vend petit garçon, c'est pas un bagage qui facile. Surtout, si c'est dans le ghetto, yo, côté risqué. Yo. Ghetto, côté espoir réussite yo petit. Yo. Ghetto, côté l'établi, yo. Ghetto défavorisé. Yo. En pile influence avec mauvais amis qui a détourné tout le monde sa namen. Eh bien, Dana tire les petits liens. Doug Sauveur. Doug ça, mesdames, messieurs, li te bal pote signature. Dana te sien, merci. Mais là, les petits là, Doug Sauveur, merci. D'ailleurs, c'est lui qui a petit Baptiste. Doug son bel petit garçon, grand trotteur pour clair tant que maman. Dans le quartier, il a le choix l'allemand ou bien petit blanc. Nous connaissons pour qui ça a été le comme ça? Parce que le grandit en pile, il grandit en bas soleil, sans pitié nous avec le ghetto. Il grandit en bas mauvais coup de fret la vie. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, Doug grandit en bas mauvais coup de fret la vie dans l'entourage. Li. Mais il t'a toujours été quoi que l'école qui a changé condition avec la vie moun. C'est maman, Dana, ça. C'est lui qui t'a toujours à répéter de chaque jour, focus sur l'école. Malgré que il t'a une chance de faire l'école, Dana lui-même qui sont jamais dodo depuis 15 l'année. Et c'est de ça le vivre pour payer l'école, petite là. Grand petit garçon pour le nourrir, petite là. Donc, tu es toujours quoi dans l'école, Liak Moun? C'était toujours un contentement, les grands dettes, yo, à parler de Doug. Et chaque les Doug a passé, pour la printemps, pour la saluer toute grand dette, yo, mandé, yo, qui j'ai activité, yo, yé. Choua l'allemand, ça, grandit sans présence, son papa. Li grandit sans présence, yon protection, ak modèle. Li te gon seul, zami, sou katia. Ouais, zami, ça? Il te relé Bob. Bob, c'est ton petit garçon qui te remet l'école en pile et puis il te remet plaisir tout. Mais malheureusement, c'est dans pied plaisir Bob t'a pral perdre la ville. Dans sorti dans petit sourire bien tard, Bob te recevoir en bal marron. Parce que c'est pas tout le monde qui te connait en contact personne. D'ailleurs, c'est raison ça qui fait Doug Sauveur te choisir comme zami. Nouvelle, ça, son nouvelle qui t'a affecté Doug en pile. Il n'y a pas de cas digéré. Il était seulement 16 l'année à l'époque. Doug t'a obligé de quitter quartier t'a vivre là pour l'arrêter quand il m'a tante li sous route frère là. Maman t'est dans caille là. Une façon pour te cal fonctionner pour le voir comme ba allemand pour l'école à quoi le manger. Ça t'est toujours rend que li gon colère contre papa. Oui, li gon colère contre papa parce que j'ai maman toujours qu'on a répété, c'est à cause de papa qui est disparaître qu'il a gueule nan jamais dodo salier jodi a là. Papa t'est arrivé parti à une femme qui saute l'autre bord de l'eau. Li quitté Dana t'est enceinte 7 mois. Donc t'est dans vente, même pas jamais qu'on a qui paye papa donc t'est allé. Et depuis jour ça 12 novembre Dana pas jamais oublié date ça. C'est Dana qui était A jusqu'à Z pour petit garçon. Il fait toute qualité vie travail pour le cajon manger pour l'hôpital. Le bon petit garçon sans papa non ghetto mes amis c'est pas un bagage qui facile. Il était toujours qu'on a répété Doug non papa parce que papa t'es qu'on bat lui en pile depuis à 2 mois. Papa t'es venu pour bébé a tombé le battre pour petit la tomber mais malheureusement. Petit la pas de jambe tombe. Papa ça, qui c'était Yves, c'est non ça ou te bali. Yves ça, son monsieur, Doug te toujours à veiller pour voir s'il pas prenne non ça, au moins dans le journal ou bien dans le bouchon moun, pour ta arriver qu'on est soi-disant papa ça. Doug te dit, ah, faut mon bagage dans la vie quand même. Pour papa, tu attendais parler de lui et c'était rêve Doug ça.
donc t'as fait philo pendant que t'as fait philo donc t'es continué aller l'école normal pendant quand même t'as lié mais ça t'es compris hein. Donc t'es obligé de prendre place gérant quand même t'as lié que révoqué hein. Que t'es capé l'école pour lui et puis Baltimore seul à manger dis pas faut moi ne quand même t'as lié il tournait quand il ghettoa il tournait dans ghettoa parce que maman était venue malade grave qui donc était obligé à prendre soin maman c'est celle lui maman le gagne et c'est maman qui était déjà dans tête la vie a vinn coco macaque dans mes doux gounien là bonjour crivé donc sentil pas capable li sorti la chita son place publique qui sous quartier l'a crié gon grandette qui approchait doug li dit doug qui ça passé li expliquer grandette là tout problème li grandette a dit OK ma pido Gadette la baye doug doug rendez-vous sous 3 jours espoir te commencer à bourgeonner dans cœur doug et puis l'arrivé sous 3 jours Gadette la félicite il pour Jean le bon petit monde et puis il fait doug connaît c'est grâce avec ça oui qu'il faut jeune aide moi doug te mette que pile dans tête li maillot sous li la vendre papa d'ap maillot yon l'autre compagnie et puis on l'autre compagnie dans tête li li pa kier c'est boisse la boisse ça que fait le vendre plus ça c'est pour lié c'est li la kembe mais qui Jean Doug t'es commencé faire petit cob pour occuper maman et pour te payer l'école li Doug l'école matin après-midi la vendre les Doug saute vendre vers 10h du soir il tout était pour battre nine à étudier parce que il était voulu rentrer dans faculté médecine. C'était rêve Doug pour devenir médecin pour te faire maman à ghetto à fier de produire. Doug t'a toujours voulu contredire Emilio. Emil du King sous approche. Doug t'a toujours voulu contredire Emil du King. Sous approche que li toujours abdi moun se produit milieu que sorti a surtout majorité moun prend ghetto pour un concept qui veut dire échec et bien résultat examen philo tombé allemand ghetto a lauréat pour l'école c'était que c'est Jésus qui te descend dans quartier tellement t'a félicité résultat faculté tombé quelques mois après Allemand réussir. Je dis Allemand, bienvenue dans la vie universitaire. Ghetto a finalement baillon docteur. Donc tout nos exemple à qui dole pour jeune yo. Il toujours été dans ghetto avec maman pendant toute cette année étude ça. Et puis un jour matin, pendant Doug a étudié, le jeune yo appel d'un professeur qui t'a félicité parce qu'il gagne un bourse que un ONG t'a bail. Pour 20 étudiants qui brillent et parmi eux, Doug te fait partie. C'était la joie, c'était cœur content mélangé avec tristesse la Kaili parce que Diana maman gon seul gon petite et puis petite ça après le parti loin. Pour aller Curitiba, une grande ville au Brésil, c'est là programme spécialisation ça dans chirurgie t'a fait. Doug gen pour lui passer 2 années dans spécialisation ça. Avant même que tu as commencé travail comme chirurgie pour opérer mon comme ça doit. Donc tu gagnerais pour venir gynécologue mais tu profiter de gabelle ça la vie a offrir sans gratter tête. Donc gagne 27 l'année, à 27 l'année, donc tu après graduer dans quelques mois et dans même période ça tu recevoir un appel de ma tante qui annonçait que Diana mourit subitement. Doug regrette en pile que maman pas de temps rete vivre graduation. Doug font semaine en plein, fermé dans chambre ni l'a crié. Li ouais que li te getan, li pas de temps faire l'argent fait pour te retirer maman qui redit dur. Pour Jean maman redit dur en pile pour te faire l'évasion, en bas misère, humiliation pour éducation te fait. C'est pas facile pour lui. C'est du sac de pichet pour lui. Non, moment pareil, c'est pas un jouet pour Doug. Doug gradué sans aucune présence de un membre de la famille. Ou te ka gade ou li toute tristesse qui te nan je Doug dans moment cérémonie ça. Mais elle te rete, souriant et fier de succès.
Doug est désormais chirurgien. Quel exploit pour le fils du ghetto. Il sortit deuxième lauréat. Doug était toujours une proposition pour qu'il travaille dans l'hôpital privé dans la capitale, dans le Brésil. Monsieur était commencé à frapper, bien frapper, mais Doug n'a pas fait opération pour compter. Il était toujours là comme assistant. Mais l'autre consultation, qui n'est pas trop grave, c'était pour lui. Et puis un jour soir, pendant Doug sous cabane, Doug a dormi, il recevait un appel de l'hôpital. Là. L'hôpital a dit, il y a un accident de machine grave qui saute de fête là. Il y a trois personnes qui mourent, il y a deux autres qui vivent. Mais il y a un ladeau qui est très très grave. Pas un docteur disponible, c'est vous-même qui est disponible. Gardez pour comment vous venez pressé pour sauver la vie victime. Ah, Doug rapide, il mettait rapide, pressé sur lui, aller à l'hôpital pour le faire travailler. La vie en docteur, c'est vent. C'est le slogan ça que Doug a toujours répété peut-être. Il joignait une infirmière. Infirmière ça, c'était Marilyn, une infirmière française. Infirmière ça, t'es sous patient, la bas patient premier soin. Et puis, Doug dit, qu'est-ce qui s'est passé infirmière? L'infirmière l'a dit, bon, il a eu un accident grave, assez grave. Son front est coupé et il y a quelques tissus cérébraux qui sont aussi atteints. Mais, et puis Doug dit, Miss, on a du travail. Apportez-moi les outils pour l'opération, je vous en prie. Et puis Miss a dit, voilà monsieur. Il y a les informations sur le patient qui sont là sur la table. Et puis Doug dit, c'est pas trop important non pour le moment. Essayez quand même d'appeler de préférence un membre de sa famille. Et puis, docteur Doug commençait avec opération. C'était premier fois. Ou qu'a gardé à distance qui Jean, en rivière souhaite à coller sous figui Doug. À un point que c'est infirmière ça, Marilyn, qui prend une serviette qui a tamponné figui Doug de temps en temps pour le sécher un peu suite. Malade la tombé dans coma, panique dans salle là, gon peur pour malade là. Et puis Doug get a fond pas quatre réflexions de tout sacrifice li. Et puis pour lui pour ta rater première opération, Doug dit non. M'pa bay vague. Doug pas bay vague du tout. Li font dernière intervention avec un autre outil après en pile tentative pour atouner. Pour atouner en bas men Doug. Opération en réussie. On l'a pli bat mette envahi ça là pour te applaudir Doug pour travail spécial ça. Tout le monde t'a applaudi Doug. Eh bien, te gon presse écrit local qui était exactement dans l'hôpital là, qui te geta passé chirurgien ça qui c'est Doug interview. Infirmière femme kou garçon t'a applaudi Doug parce que sauver la vie on monsieur comme ça. Malade la capable kounya. Doug a pas essayé ouais comment capable sauver. L'a gardé l'a testé mémoire malade là. Il m'a dit le côté le rete. Après pour infirmière la vérifier dans dossier pour dire c'est ça. Il m'a dit malade non. Malade répond avec une voix faible. Pour te dire non qui c'est Yves. Yves sauveur. Il m'a dit au dossier a pendant la tremblé. Elle regarder lui ouais c'est non sa maman te bali pour papa. Papa qui pas de ville fête là. C'est papa ça je dis à sauver la ville. Les doug garder doug ouais. Doug sauveur ça, maman te bal, non, regardez le ouais, c'est papa, lui sauver la ville. Ti blanc proche. Doug sauver, puis près, monsieur ça, lui dit. Vous songez Diana? Diana, merci. Dame ou te quitte enceinte ou aller. Eh bien, petite ça ou pas de lui le faire, c'est lui qui sauve ou là. Il dit oui, papa, c'est moi qui sauve la vie. Maman m'relem Doug. Il est Doug sauveur. Et puis même moment, le tap pompé nager Yves. Il pas de garder Doug nager. Mais Diana t'a bien choisi non, oui, pour te bailler Doug comme docteur sauveur. Il t'a bien choisi non pour lui parce que il te croit que petite ça t'a sauvé la ville. Mais plutôt petite là pas sauvé la vie pas, il t'a sauvé la vie papa ça qui pas de vle là. C'est la vie papa ça le sauvé. Bravo avec Doug sauveur qui sont héros. Et avant sauveur te déplacer, il te dit Yves. Moi pardonne ou papa. Même pas oublier son fait. N'a pas dit bravo avec sauveur ça.
Moi raconte histoire ça pour me dire bravo avec chaque papa, mais plutôt c'est la vie papa ça qui pas de vle là, c'est l'île sauvée. Bravo avec docteur ça qui sont héros et avant sauveur t'es déplacé. Il te dit Yves. Moi pardonné oh papa. Même pas oublier son femme. Moi raconte histoire ça aujourd'hui pour me dire bravo à ou même qui sont papa qui bon. Bravo à chaque papa qui bon et conscience pour ça yo qui pas bon yo. C'était avec Ozan Monetti sur chaîne Paulin, c'était studio dans émission Paulin qui s'était dit show. Je vous dis merci d'avoir abonné, liké, commenté, partagé vidéo ça. Je vous dis merci et m'a demandé yo pas négliger. Abonnez, partagez, commentez, likez pour ça pour m'encourager pour avancer notre travail ici là. Merci, au revoir. Restez des nôtres.